and trying to keep hope in this black hole with no rope to climb with. The vine is rotting right before my eyes, but the divine we've been advised so many times. We've seen the signs that the strains placed on the interlaced vines is having an effect that we can never reverse, and enough regret. Get your dirty laundry off the clothesline. I froze my mind in hindsight. A picture might be worth a thousand words, but only one Earth Day is worth shit in every way. We work the land and hurt the hand that feeds us, and even Jesus, the Son of God, leaves us. It's hard when to appease us as a species. We have to have more, and still the sore grows as our store of knowledge rose from building fires, the tire smoke burning in the distance. Dancing in revolution meant that the establishment was overturned and dissolved. I'm singing in the acid rain, pollution problem solved. In great pain to the rainforest and everyone involved. It's not getting any better, I know it's getting worse. For every birth dispersed upon this earth brings another mouth to feed and strains the purse strings. But first things first, we need to act and attack the root cause. For all the flack and flaws in exported bear claws, we humans as a race have no escape clause. We must pause for thought, cause we're stuck with what we got. So let's make the best, and the stronger that we address the problem, the sooner the better. For if it's flighty, then admire it, instead of setting fire to its home. The times are dire, man, get off your ass and do something. The entire building has just collapsed, as if a demolition team set off. When you see the old demolitions of these old buildings, it might hold it down on itself, and it is not there anymore. The sands expand in the land of Bonjour à tous. Je constate que beaucoup d'internautes continuent de voir dans l'écroulement de la tour sud du World Trade Center une démolition contrôlée, comme pour l'autre tour, vous me direz. Et c'est pour valider cette théorie que certains internautes font des comparaisons entre des démolitions contrôlées et l'écroulement de la tour sud du World Trade Center et de la tour nord aussi. Là, par exemple, sur la vidéo, vous voyez que l'impact de l'avion a été à ce niveau. Donc, beaucoup plus bas que celui de la première tour. Et pourtant, cet écroulement reposerait sur de la simple physique. Les images vidéo de l'effondrement de la tour sud montraient, d'ailleurs vous l'avez bien vu, que la tour n'était pas tombée tout droit, à la manière des chutes caractéristiques lors d'une démolition contrôlée. Au contraire, vous avez bien vu que la tour avait penché dans la direction du point d'impact avant de commencer à s'écrouler vers le bas, avec la partie supérieure du bâtiment inclinée de manière à former un angle. Pour ceux qui n'ont pas compris, donc vous avez vu le point d'impact de l'avion de tout à l'heure, et bien regardez, la tour s'est penchée exactement là où il y a eu le point d'impact. Donc lorsque l'avion s'est encastré dans la tour, il a fait un énorme vide, et logiquement, comme le poids des étages au-dessus était très très lourd, cette tour s'est affaissée et s'est penchée. C'est logique. Donc comme je le dis, au contraire, la tour, contrairement à une démolition contrôlée, la tour avait penché dans la direction du point d'impact avant de commencer à s'écrouler vers le bas avec la partie supérieure du bâtiment incliné, de manière à former un angle. Vous l'avez vu dans l'extrait vidéo tout au début. Lorsque la tour sud s'écroule, vous avez le gros bloc en haut,
se penchent, ils ne tombent pas droit, comme dans une démolition contrôlée. La différence entre les deux effondrements de la tour 1 et de la tour 2 peut s'expliquer par la manière dont chaque avion avait en fait heurté les bâtiments. Le premier avion avait touché la tour nord, le bâtiment entre le 94e et le 98e étage. Et l'avait heurté de plein fouet, s'encastrant carrément directement jusqu'au cœur du bâtiment. Ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, que vous avez même les réacteurs de l'avion ont traversé carrément le bâtiment. Donc vous imaginez toutes les structures qu'il a endommagées et qu'il a sectionnées. Quant au deuxième avion, celui qui a ciblé la tour sud, le bâtiment numéro 2, lui, il l'avait heurté au niveau du 74e étage. Mais c'était encastré de biais, comme vous l'avez vu dans la vidéo, endommageant gravement tout le coin nord-est du bâtiment. Dans les démolitions contrôlées, les charges d'explosifs, en règle générale, affaiblissent ou détruisent tous les points porteurs de la structure en même temps. Par conséquent, une fois que la chute commence, toutes les parties du bâtiment sont simultanément en mouvement et en chute libre vers le sol. Pourtant, comme vous le regardez dans les vidéos, ce n'est pas du tout ce qui s'était passé lors de la chute des bâtiments du World Trade Center. En regardant attentivement les films des chutes, vous remarquerez que les parties des bâtiments situées au-dessus des points d'impact des avions, hein, vous avez bien compris, au-dessus des points d'impact des avions, commencent à tomber en premier. Alors que les parties les plus basses des bâtiments ne sont d'abord pas ébranlées, hein. Les parties des tours situées en dessous du point d'impact commenceront à s'écrouler que lorsque les étages supérieurs se seront effondrés sur eux. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait si des tours s'étaient effondrées du fait d'une démolition contrôlée. Hein. Parce que dans une démolition contrôlée, toute la tour se serait affaissée en partant du bas. Et là, vous remarquez que c'est le bloc qui est au-dessus du point d'impact de l'avion qui tombe en premier. Ensuite, en s'affaissant, il fait tomber les étages inférieurs. Bon, pourquoi donc le bâtiment numéro 2 s'est écroulé avant le bâtiment numéro 1, alors qu'il avait été le premier touché? Bah, ça, c'est simple à expliquer aussi. Le premier avion avait touché la tour nord, le bâtiment 1, entre le 94e et 98e étage, alors que le deuxième avion avait heurté la tour sud, le bâtiment 2, entre le 74e et 78e étage. Donc, pour le deuxième bâtiment, le 2, l'impact de l'avion avait eu lieu un peu plus bas. Donc, logiquement, le poids des étages supérieurs devenait beaucoup plus imposant et beaucoup plus important que ceux du bâtiment 1 où l'impact de l'avion avait eu lieu un peu plus en hauteur au 94e étage. Il avait que moins d'étages à supporter, donc il va tomber en deuxième, lui. Comme l'impact de l'avion sur le deuxième bâtiment côté sud avait creusé un énorme trou à un niveau plus bas, le poids des étages supérieurs devenant plus important, c'était un peu logique qu'il s'écroule en premier, hein, parce que c'est surtout à cause du gros poids des étages au-dessus. Quant aux projections que vous avez vues dans la première vidéo, projections de poussière qui sont évacuées par les fenêtres des étages inférieurs lors de l'écroulement de la tour sud, hein, il est tout simplement dû à la haute pression. Hein. En s'écrasant les uns sur les autres, du moins lorsque les étages s'écrasent les uns sur les autres, la pression deviendra telle qu'elle va être propulsée violemment par les fenêtres. C'est logique. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi certains conspirationnistes continuent de voir des explosions de dynamite là où il n'y a qu'une simple explication de pression due à l'affaiblissement, du moins à l'affaissement des étages qui logiquement, en s'affaissant les uns sur les autres, propulsent la poussière par les fenêtres. C'est d'une logique. Je ne comprends pas pourquoi lorsque vous dites que ce n'est pas de la dynamite, mais c'est juste un problème de pression de poussière, on vous crie dessus, oui, vous êtes contre les conspirationnistes. Non, mais il faut de temps en temps, il faut que certains conspirationnistes comprennent qu'ils font fausse route. Ce que je dis pour le World Trade Center, c'est que ça n'a pas été commandité par un organisme secret travaillant pour le gouvernement américain. Sauf que les autorités américaines ont exploité cette attaque terroriste pour ensuite relancer son économie, son complexe militaire industriel et aller se réinstaller dans certaines régions du Proche-Orient comme l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, c'est la géostratégie. Donc, comme le communisme commençait à s'écrouler, le complexe militaro-industriel américain a commencé à s'essouffler aussi. Donc il fallait trouver assez rapidement un nouvel ennemi.
Et après le 11 septembre, le nouvel ennemi, c'était devenu l'islamisme radical. À partir de cet instant, les autorités américaines vont commencer à se servir de leur puissant outil médiatique hein, pour conditionner le peuple américain afin qu'il accepte cette politique de guerre, de surenchère militaire surtout, et de guerre que leur gouvernement préparait. Hein. Comme vous le savez, après le 11 septembre, vous avez eu l'invasion de l'Afghanistan, de l'Irak. Ensuite, il y a eu la révolution avec la Syrie. En gros, à travers toutes ces attaques, les Américains essaient de se repositionner et surtout encercler la Russie. Oui, vous l'avez bien compris quand même. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous dire une nouvelle fois que quand vous regardez attentivement la petite compile de vidéos que je vous ai faite, vous constaterez qu'il n'y a pas eu d'explosif à la dynamite. Hein. La tour s'est penchée tout naturellement parce que l'impact de l'avion sur la tour avait creusé un énorme trou. Et comme le poids des étages supérieurs devenait de plus en plus important, logiquement, elle s'est affaissée du côté du point d'impact de l'avion. Et ensuite, avec le gros bloc d'étages qu'il y avait au-dessus, assez logiquement affaissé en écrasant les étages inférieurs. C'est la réaction en chaîne que vous avez vue où les étages s'écrasent les uns après les autres. Hein. Quant à la poussière qui est évacuée par les fenêtres, c'est un peu logique. Lorsqu'un étage est écrasé, le souffle sort par les fenêtres, c'est normal. Je ne comprends pas pourquoi certains internautes continuent à voir des explosions de dynamite. C'est vraiment surréaliste. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. C'est un peu un petit coup de gueule que j'envoie à quelques internautes hein, qui se fâchent si vous n'êtes pas d'accord avec certaines théories conspirationnistes. Il faut comprendre qu'on n'est pas tous obligés d'accepter certaines théories conspirationnistes. Hein. Si demain on doit tous accepter ce que certains conspirationnistes nous disent, où va-t-on? Où va-t-on? Moi personnellement, je sais que certains qu'on traite de conspirationnistes disent des choses justes, comme Jean Drock, comme Le Ver non silencieux, comme Christophe Croblon, vous en avez d'autres, eux ils disent des choses sensées et ils argumentent. Mais là, quand vous nous parlez d'explosifs, d'une démolition contrôlée sur les tours du World Trade Center, vous n'avez juste qu'à regarder à nouveau les vidéos que je vous ai passées, hein, et vous comprendrez qu'il n'y a pas eu une démolition contrôlée. Mais c'est juste de la physique. Hein. Le poids des étages supérieurs étant très important, ça s'est affaissé sur l'étage qui avait été complètement détruit par l'avion. Donc logiquement, à cet étage, à ce niveau, il n'y avait plus comment dire, de structure qui portait toute le bloc supérieur. Donc logiquement, le bloc supérieur va s'affaisser, hein, parce qu'il n'y a plus rien qui le porte. Il va s'affaisser, il va pencher un peu, ensuite il va s'écrouler le plus naturellement du monde, et en faisant s'affaisser les étages les uns sur les autres. C'est vraiment de la logique physique. Hein. Je ne comprends pas pourquoi on continue de nous faire croire que je parle de certains conspirationnistes, que c'est une démolition contrôlée. À l'amiante, oui, non, certains ne vont pas déclencher une démolition contrôlée parce que les deux tours étaient bourrées d'amiante. Ça les a surtout arrangés que ces deux tours s'écroulent. Parce que ça aurait coûté une fortune de désamianter les deux tours. Hein, vous vous rendez compte, le travail. Donc eux, ils ont applaudi en réalité cet écroulement, mais ils l'ont pas, comment dire, stimulé, hein, encore moins avec des explosifs. Par contre, pour le bâtiment numéro 7, là, c'est un autre problème. Là. Je ne peux pas vous l'expliquer. Hein. Je ne peux pas vous dire si ça a été la même chose ou qu'il a été probablement dynamité par les organismes d'État. Hein. Puisque le bâtiment numéro 7, comme vous le savez, possédait beaucoup de bureaux d'État. C'est-à-dire des bureaux fédéraux. Peut-être on avait évacué ce bâtiment avant de le faire détruire ou de le faire s'écrouler. Ou alors peut-être qu'il a été fragilisé par l'écroulement des deux tours, hein, puisqu'en s'écroulant, ils ont fait vibrer le sol, hein, ça fait comme une sorte de séisme. Hein. Peut-être que ça a encore affaibli les bases du bâtiment numéro 7. Hein.
Mais bon, je préfère pas trop en parler du bâtiment numéro 7 parce que je peux pas savoir si il s'est écroulé tout seul ou il a été dynamité par le gouvernement américain. Voilà. Moi, je préfère, quand j'ai pas d'arguments ou de preuves, je ne dis rien. Par contre, pour les deux tours du World Trade Center, juste en regardant les images, on constate que c'est pas une démolition contrôlée. Là, vous avez les images, vous regardez par vous-même et vous le verrez. Pour ceux qui doutent, regardez bien les images, vous verrez. Hein, la tour sud numéro 2 se penche bien du côté où l'avion s'est encastré. Du moins, comme l'avion s'est encastré à ce niveau, il a détruit toutes les structures porteuses, il a fragilisé carrément l'étage. Donc les blocs qui comprenaient tous les étages au-dessus va s'affaisser carrément sur cet étage et va retomber. Il va s'affaisser une première fois, il va se pencher. Ensuite, il va s'écrouler carrément en vertical. Bon, voilà, j'en ai fini. Hein. Je ne vais pas m'étaler sur cette vidéo. Hein. C'est juste pour répondre à certains internautes hein, qui voilà, ils sont pas contents lorsqu'on ne suit pas la théorie conspirationniste d'autres personnes. Je comprends que certaines en veulent à ce gouvernement américain qui est impérialiste et capitaliste, mais bon, faut pas que votre haine vous aveugle complètement et qui vous pousse à développer toutes sortes de théories farfelues plus ou moins. Certes, il existe des théories qui sont vraies, mais bon, faut pas exagérer non plus sur d'autres comme l'écroulement des deux tours du World Trade Center. C'est simplement dû à des circonstances physiques surtout. Hein. Là, vous voyez l'image, regardez bien, la tour, elle est bien penchée. Hein. Pourquoi c'est penché? Parce que elle s'est affaissée sur l'étage qui avait été impacté par l'avion qui s'est encastré dedans. Comme cet avion avait détruit toute la structure porteuse, eh ben, le bloc au-dessus s'est affaissé sur cet étage qui n'avait plus de structure porteuse. Et voilà, c'est pour cette raison. Et pourquoi le bâtiment numéro 2 s'est affaissé en premier? Bah, je l'ai dit, hein, c'est parce que l'avion a touché cette tour au niveau du 78e étage, 74e. Donc beaucoup plus bas que la tour 1. Donc le poids, logiquement, le poids des étages de cette tour numéro 2, cet étage qui avait été carrément détruit par l'avion, devait supporter beaucoup plus de poids. Donc c'était normal qu'il s'écroule le premier. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre. Hein.